Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve voilà sous un beau soleil. Il fait très froid par contre. Là il fait moins 1, moins 2, enfin très froid, il fait froid. Mais le soleil ça va, ça permet de compenser un petit peu le manque de température. Ici derrière on a des poules d'eau qui font un maximum de bruit, donc j'espère que ça va aller. Normalement ça devrait le faire. Je sais pas ce qu'elles ont, il fait moins 1, ils sont en feu les poules d'eau là, ils n'arrêtent pas. Donc j'espère que ça va le faire niveau son. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un noraccord. Le nord accord entre la tresse et le fluorocarbone, donc qui s'appelle le nœud FG. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi c'est le nœud que j'utilise depuis très longtemps pour la pêche du bar, pour la pêche en eau douce. Donc en eau douce il fait très bien le job, mais je l'ai surtout utilisé pour la pêche du bar au début. En fait, sa particularité déjà quand on le voit d'apparence, c'est qu'il est vraiment très fin, très rectiligne. Et en fait il n'y a pas vraiment de nœud, c'est juste un tressage autour du fluorocarbone. C'est-à-dire qu'en fait déjà pour parler de finesse du nœud, la finesse du nœud ce sera l'épaisseur du fluorocarbone plus deux fois l'épaisseur de la tresse, parce qu'on va tourner en gros autour du fluorocarbone. En gros c'est ça le principe. Du coup voilà, il est très fin, donc ça permet, donc premier avantage, qu'il passe bien dans les anneaux. Donc on sait que quand on pêche en mer et notamment en bord de mer, il faut vraiment appuyer les lancers pour atteindre des zones vraiment très difficiles d'accès. Et donc ce nœud là permet vraiment de pêcher tranquillement sans avoir de problème, donc c'est-à-dire sans lancer et entendre le nœud qui gratte dans les anneaux et de perdre son leurre au lancer parce que le nœud raccord a pété. Donc voilà, ça c'est le premier avantage. Donc nœud très fin qui glisse bien dans les anneaux. Et le deuxième avantage, c'est sa robustesse. Voilà, c'est un nœud vraiment très solide, vraiment un des plus solides. Quand vous êtes accroché dans le fond, quand il faut que vous cassez parce que vous n'arrivez plus à vous décrocher du fond, bah en fait tout simplement vous pouvez tirer avec la canne bien dans l'axe du fil. Et ça sera généralement, dans la majorité des cas, ça sera le nœud d'agrafe qui va casser, qui vous permettra donc de faire directement votre nœud d'agrafe pour remettre votre leurre et pas de refaire un raccord. Voilà. Donc on va passer à la partie réalisation. Donc afin de faire votre nœud FG, vous aurez besoin tout simplement de votre canne avec votre tresse qui sort du moulinet. Vous aurez besoin bien évidemment d'une bobine de fluorocarbone. Donc voilà. Donc là, ce qui est très important avec le nœud FG, c'est que, enfin c'est important, c'est plus pratique de laisser le fluorocarbone sur la bobine et de couper après, vous allez voir pourquoi. Et enfin, vous avez besoin bien sûr d'un ciseau, d'une pince coupante ou quelque chose bien sûr pour couper le fil. Classique pour faire un nœud. Jusque là, c'est globalement facile. Maintenant, c'est là que ça se complique, c'est que malheureusement, une des particularités du nœud FG, c'est qu'il est assez compliqué à réaliser. Enfin, il faut vraiment s'entraîner plusieurs fois avant vraiment de bien le réaliser. Mais quand on sait bien le maîtriser, quand on le réalise vraiment de bonne manière, c'est là que ça fait vraiment la différence. Alors ce que vous allez commencer par faire, c'est tout simplement, donc je vais poser la canne à pêche par terre, le moulinet, je vais ouvrir le pick-up et je vais laisser voilà la tresse par terre, je la prendrai tout à l'heure. Là ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais sortir la bobine de fluoro et je vais tout simplement sortir un petit peu de fluoro, voilà, à hauteur à peu près de mes mains. Et je vais poser la bobine par terre et là tout simplement je maintiens le fluoro, la bobine du fluoro sous mon pied en fait, tout simplement. Voilà, comme ça là j'ai le fluoro là dans mes mains là qui est tendu là. Il est tendu. Et en fait il peut bien travailler dessus. Là je vais refaire mes mains un petit tour. Voilà, comme ça. Là comme ça je suis bien, je suis à hauteur pour travailler, donc ça c'est nickel. Ensuite, le deuxième truc à faire, vous allez prendre la tresse qui sort de votre moulinet. Donc le fluoro, vous pouvez le laisser, vous le gardez entre vos jambes, vous laissez tomber par terre, on va le retrouver après. Donc vous laissez bien votre pick-up ouvert pour sortir un peu de tresse. Sortez-en un peu quand même parce que c'est. Vous allez en avoir besoin. Et là, tout simplement, vous allez prendre votre pouce et votre index. Vous allez juste tout simplement tourner autour de votre pouce avec votre tresse pour faire une sorte de rôti, en fait, tout simplement. Et vous allez prendre également votre index et vous allez faire pareil. Voilà. Avec votre tresse. Et normalement, ça doit vous donner. Donc là, je pense pas qu'on va voir la caméra de loin, mais sur les plans rapprochés, on va voir. Vous allez tout simplement avoir. Votre tresse qui est tendue entre vos deux doigts. Donc vous essayez de répartir, quand vous enroulez votre tresse autour des doigts, essayez de répartir sur tout votre doigt. Sinon si vous serrez qu'un seul endroit, vous allez tout simplement vous faire un garrot, donc ça va être pas très rigolo quoi. Donc voilà, le fil et la tresse est bien tendue ici. Vous allez reprendre votre fluoro. On va tout simplement le passer dans la tresse. Donc on le met entre le fil tendu et notre. Et comment dire, à l'intérieur de notre doigt, de nos doigts. Et en fait, on va tout simplement faire une alternance droite-gauche. Droite-gauche. De toute manière, vous verrez ça sur la partie expliquée en vidéo qui est beaucoup plus zoomée. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, vous faites gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Plusieurs fois.
Et en fait, ça va déterminer, comment dire, la longueur à déterminer, c'est suivant votre, votre, on va dire, votre humeur, mais ouais, pour rien vous cacher, je compte pas. Je suis à peu près à la au visu, quoi. Je me dis, ok, là, ça a l'air d'être assez long, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de règles. Faut quand même que ça soit assez long. Là, je vois que ça commence à être pas mal. Ensuite, vous tenez votre fluoro. Voilà, donc là j'ai tenu mon fluoro avec mes dents et j'ai enlevé, on va dire, la tresse qui était mise sur mon index. Et maintenant, je tiens les deux excédents et j'enlève le troisième, donc qui est la tresse qui ne sort pas du moulinet, c'est l'autre morceau de tresse. Et donc là, tout simplement, vous allez faire trois nœuds, donc classiques, c'est-à-dire que vous allez faire une boucle. Donc vous tenez votre fil de tresse qui sort du moulinet et votre fluorocarbone en même temps avec en faisant en sorte que c'est presque un même fil, et vous allez tout simplement faire trois clés. Donc trois petites boucles en fait, et vous tournez en fait autour, tac, et vous serrez, tout simplement. De toute façon, vous allez voir ça sur la vidéo zoomée. J'en fais trois. Moi, généralement, ouais, j'en fais entre 3 et 5. Tac. Et j'en fais une dernière. La troisième, allez, soyons fous, j'en fais que 3. Ok. Donc voilà, là vous allez faire vos trois boucles, et en fait vous faites une boucle et ensuite vous repassez le fil dedans, et en fait ça tourne autour des deux fils que vous tenez. Voilà, donc une fois ceci fait, vous avez votre nœud qui est presque fait. Donc là on va faire l'étape qui est un peu cruciale. On va refaire une boucle en fait, comme pareil. Donc on va faire une boucle, hop, autour de nos deux fils, et on va repasser dedans. Sauf qu'au lieu de passer une fois et serrer, on va passer 5 fois et ensuite on va serrer. Donc là, je passe 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois, allez, et 5 fois. Ok, voilà. Et en fait, là, l'opération que vous allez faire, c'est tout simplement, vous avez votre fil qui est passé 5 fois, donc ça fait une torsade un petit peu sur le fil central. Et là, vous avez une boucle qui sort un peu sur le côté. Et cette boucle sur le côté, vous allez la tourner 5 fois, mais dans le sens inverse dont vous avez tourné pour faire vos boucles. Et en fait, en faisant ça, vous allez, on va dire, enlever la torsade au milieu, et ça va vous faire une grande boucle. Et dès que vous avez la grande boucle, bah en fait, vous tout simplement vous serrez en tirant sur l'excédent de tresse. Et là, c'est fini. Donc je suis allé un peu vite, c'est normal, c'était juste pour vous expliquer le principe. Et là, je vais maintenant insister sur les points qui sont vraiment importants. Donc là, bien sûr, vous pouvez couper vos excédents. Donc pour ne pas vous tromper, vu qu'il y a la tresse qui sort du moulin et la tresse qui va dans l'excédent, qui va, on va dire, dans rien, dehors, quoi. Bah en fait, tout simplement, la tresse qui vient du moulinet, elle est dans la continuité du nœud. C'est-à-dire, elle est vraiment dans la continuité. Par contre, la tresse d'excédent, donc ça fait le nœud qui est comme ça, bah sort un petit peu sur le côté comme ça. Donc ça, c'est un peu un moyen de voir la tresse d'excédent qui a coupé. Donc là, j'ai la coupe tout simplement. Hop. Voilà. On la coupe. On met ça dans le sac à dos ou dans une poche pour pas mettre ça partout par terre. Tac. Voilà. Et également, on coupe le fluoro. L'excédent de fluoro, bien sûr. Voilà. Ok. Ça y est, c'est fait. Vous avez votre nœud FG, tout simplement. Donc voilà, très très fin, très très rectiligne. Et en fait, là, tout simplement, vous allez prendre votre bobine de fluoro et puis vous allez couper la distance de fluoro que vous voulez. Donc, moi, par exemple, je vais couper ici, là, je vais me prendre un bon mètre 50, ça va largement me suffire. Et ça va être très bien. Voilà. Et voilà, le nœud FG, il est terminé. Tac, c'est fini. Vous pouvez accrocher votre agrafe, votre leurre ou n'importe. Et vous pouvez pêcher directement. Alors juste avant, je vais insister sur deux petits points qui sont importants. Donc c'est au moment où vous avez votre tension de tresse entre les doigts,
et vous passez de fluoro de manière alternée. Donc ce moment-là, il est très important, donc bien écarter ses doigts, bien maintenir l'écart entre le pouce et l'index pour maintenir une tension maximale de la tresse, pour que la tresse soit vraiment tendue entre vos deux doigts. Et ensuite, quand vous tenez votre fluoro et que vous le passez d'un côté et de l'autre, pareil, il faut tenir bien tendre en même temps entre ces deux doigts et en même temps tendre le fluoro. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre bobine de fluoro qui est bloquée sous le pied. C'est fait exprès justement pour ça, c'est d'avoir un point d'appui pour pouvoir bien tendre en fait le fluoro et justement pour bien alterner et que les spires soient bien jointives et que ça fasse pas des paquets et que le fluoro ne vrille pas en fait. Le nœud est plus facile à réaliser si vous avez un fluoro de plus gros diamètre par rapport à une tresse petite. Par exemple, là j'avais du fluoro de 40 centièmes, c'est beaucoup plus simple à réaliser que sur du fluoro de 22 centièmes par exemple, parce que le fluoro de 22 centièmes aura tendance à se confondre un peu avec la tresse. Donc c'est pour ça que plus le fluoro est petit, plus je vous conseille de vraiment maintenir la tension. Et n'hésitez pas, quand vous sentez que vous perdez la tension, vous arrêtez de faire des spires, vous prenez votre fluoro et vous tirez un petit peu, voire faites des petits tirés pour vraiment relisser les spires et que tout se joigne bien et que ça, le nœud se construise au fur et à mesure et que ça ne fasse pas un gros paquet en fait. Voilà tout simplement. C'est les petits conseils que j'avais à vous donner sur le nœud FG, puisqu'il est assez technique. Et normalement, si vous arrivez à faire cette partie, donc la première partie qui correspond à, voilà, à faire une alternance droite-gauche avec le fluoro, avec oui, le fluoro, et également ensuite la troisième partie qui est un peu plus compliquée, c'est de faire une boucle avec rentrer 5 fois à l'intérieur et ensuite détourer, donc c'est-à-dire prendre la boucle et tourner dans le sens inverse pour avoir une grande boucle. De toute manière, ça sera expliqué sur la vidéo zoomée. Ça, c'est vraiment les étapes cruciales où il va falloir s'entraîner pendant plusieurs jours. Voilà, le premier nœud FG que j'ai fait, c'était vraiment... ça faisait n'importe quoi, enfin, c'était un boudin. Mais maintenant, à force de le faire, on arrive à le faire en 5 minutes et en plus, c'est bien droit, nickel. Donc c'est, voilà, à force d'entraînement, à force de le faire au bord de l'eau, chez vous et tout ça, c'est vraiment un nœud qui va, comment dire, vous allez bien apprendre à le faire. Il est pas non plus extrêmement difficile, mais voilà, c'est un coup de main à prendre. C'est pas comme par exemple des nœuds chirurgiens où c'est assez facile parce que c'est juste ça prend 2 secondes, quoi, c'est un nœud. Là, il y a plusieurs étapes à bien maîtriser, mais dès que vous maîtrisez tout, il n'y a pas de souci, vous pourrez profiter de la robustesse et vraiment des qualités de ce nœud. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris le principe. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je pourrai bien sûr y répondre. Si vous avez des questions sur des détails du nœud que j'ai pas forcément détaillé, que j'ai oublié de détailler, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire de la manière la plus détaillée possible. Puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura été utile, parce que ce nœud vraiment mérite d'être connu, puisque vraiment il est très très bon. Vraiment, quand on connaît le FG, moi je repasse sur aucun nœud raccord, vraiment il n'y a que lui que je fais, parce que dès que je repasse sur un nœud raccord vite fait, j'ai toujours des problèmes. Donc voilà, je préfère ce nœud raccord, surtout quand il faut mettre une très grande longueur de bas de ligne. Quand le nœud raccord est confondu dans le moulinet, quand il faut le lancer, qu'on a une grande longueur de bas de ligne, souvent c'est là que ça fait des perruques. Il est vraiment très fin, il se confond avec le fil, donc ça permet de limiter les perruques et donc de faire un maximum de poissons. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bien sûr, si ça vous a plu. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Allez les amis, ciao.